Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager une technique incroyable pour gagner de l'argent sur OneSbet très très facilement. Tu vas voir que c'est une astuce, c'est une technique qui marche à 99% des cas. Mais attention, il faudra bien suivre les instructions que je vais donner dans la vidéo parce que c'est très très important. Donc bien avant de continuer, pense à t'abonner, activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésite surtout pas aussi à rejoindre le canal de Telegram. Là-bas, je te donne à chaque jour des coupons gratuitement. Ok, tout est gratuit dans le canal Telegram. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien juste en bas. Donc, ici, pour l'exemple, nous allons cliquer sur ce match-là, le match de Manchester. Une fois que nous sommes sur le match, ce que nous allons faire, on va juste cliquer sur les trois points qui se trouvent en haut. Ensuite, on va cliquer sur statistiques. C'est toujours important de voir les statistiques récentes des deux équipes avant de pouvoir placer la mise. Ok, et je suis aussi sur la nouvelle application, le nouveau bookmaker et Paris PSA. Donc je vais laisser le lien du bookmaker dans la description de la vidéo. Tu peux utiliser le lien dans la description de la vidéo et choisir le code promo 24AB pour activer tous les bonus sur ce bookmaker. C'est un bookmaker qui est assez intéressant aussi. C'est un OneSbet et Betwinner. Donc clique sur le lien dans la description pour tester l'application. Ok, tu auras 200% de bienvenue à ton premier rechargement avec le code promo 24AB. Donc ici, pour l'exemple, donc on va venir d'abord, on va voir les têtes à tête des deux équipes. Et ici, on va remarquer que les têtes à tête, c'était depuis 2016. Ok, ça c'est depuis 2016. Donc cette information ne sera pas trop nécessaire. La partie qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Ok, les matchs récents de Manchester United. Donc ici, le 30 novembre 2023. Voilà, Crystal Palace et puis Manchester United. Donc Manchester United a perdu contre Crystal Palace. Et ici, leur avant-dernier match contre Crystal Palace, c'était le match aller. Donc voilà, 3-0. Donc ici, Burnley-Manchester. Donc Manchester a gagné 1-0. Donc ici, on va défiler. On va voir le match récent aussi de Galatasaray. Donc ici, vous pouvez remarquer que leur dernier match, ok, ils ont fait 2-1. Ça veut dire qu'ils sont assez un peu en forme. Donc ici, Galatasaray, vous voyez qu'avant-dernier, ils ont gagné 1-0. Ici, troisième dernier, ils ont gagné 2-1. Donc ici, ils ont marqué jusqu'à 2 buts. Donc ces Galatasaray, actuellement, ils sont en forme. Donc, comme nous avons pu voir la forme des deux équipes, voilà, nous avons pu voir les statistiques récentes. Donc ici, ce que vous allez faire, vous allez juste défiler comme ça, ok? Une fois que vous êtes sur cette partie, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur handicap. Ok, là je vais vous montrer quel handicap choisir et ce qui va marcher à 99%. Si tu n'es pas encore abonné, prends le temps de le faire pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc ici, ce que je vais faire, je vais venir sur handicap 2,5. Ok, et je choisis. Une fois que c'est fait, c'est là, je vais juste l'ajouter au coupon de Paris. Je peux prendre cela ou je peux venir choisir cet handicap là, handicap 2 entre parenthèses. Ok, là c'est une très belle cote, une cote de 1,36. Quand le match va démarrer, la cote elle va grimper. Mais ici, pour prendre moins de risques, tu peux prendre cette option là, cet événement là, handicap 2,5 entre parenthèses. Donc ici, ça veut dire que bien avant que le match ne commence, tu as déjà donné 2,5 buts à l'équipe adverse, à l'équipe qui est à l'extérieur, c'est-à-dire Galatasaray. Donc ici, pour que Galatasaray perde le match, donc pour que ton coupon il soit perdant, il faudrait que Manchester United arrive à gagner 3 buts d'écart. Okay? Est-ce que je me fais bien comprendre? Il faudra que Manchester United arrive à marquer au moins 3-0. Ok, s'il y a 3-0 dans le match, ton coupon il est perdant. S'il y a 6-3, ton coupon il est perdant. Donc il faudrait qu'il y ait obligatoirement 3 buts d'écart entre Manchester United et Galatasaray. Et une fois que Galatasaray va marquer un but au cours du match, donc ça veut dire que, ok, ils ont maintenant 3 buts et 4 buts. Ok, donc pour que ce coupon il soit perdant, c'est très très difficile. Il faudrait qu'il y ait obligatoirement 3 buts d'écart. Donc Manchester doit gagner obligatoirement avec 3 buts d'écart Galatasaray. Sinon, ton coupon il est tout le temps gagnant. J'espère que j'ai pris le temps de bien expliquer si c'est le cas. Lâche-moi un pouce en l'air et on se dit à ciao pour une toute nouvelle vidéo.